Aujourd'hui, on présente une émission spéciale, les nouvelles des criminels. Le fameux détective Sean O'Hara charge pour trouver le criminel Messira. C'est un problème parce que Messira est très intelligente. Il est 3h13, le chien est là en retard. Psst! Quoi? Pardon? Qui est là? C'est moi, Charlie. Ah, Charlie, salut mon ami, comment ça va aujourd'hui? Chut, ne parle pas trop. Ne parle pas trop fort, j'aimerais un secret pour toi. Oh oui, alors, quel est ton message? J'ai un pour toi. Tiens, la lettre R. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce que je fais avec la lettre R? C'est moins 10 pour toi, Charles. Au revoir. Les nouvelles chants en Laura arrivent par une message très importante à Charlie le chien. Il continue pour chercher pour le criminel Monsieur Ha. Je ne sais pas, je peux mettre la lettre R dans la poche. Non, je ne peux pas voir la lettre sur mon chapeau. Oh non, elle tombe. Je ne sais pas, je peux mettre la lettre R. Est-ce que quelqu'un est là? Non, je suis ici, regarde. Est-ce que quelqu'un est là? Non, je suis ici, Shangela. Regarde dans cette direction. Ah, really? Tu es ici, je n'ai pas de marque. Charlie vient me donner la lettre R. Je ne sais pas où je peux mettre la lettre R. Je peux t'aider avec la lettre R. Mette la lettre R ici, sur la main ici. J'ai un autre indice pour toi, Shangela. Un autre indice? Fantastique! Je ne veux pas que tout le monde écoute notre conversation. Oh oui, excuse-moi, Willy. Alors, quel est ton indice? J'ai la lettre I pour toi. Tiens. La lettre I? C'est très intéressant. Mais qu'est-ce que je fais avec la lettre I? C'est mon indice pour toi, Shangela. Au revoir. Au revoir, Willy. Attends, donne-moi 5. Aujourd'hui, Shangela, tu as supposé de trouver le criminel de Sierra. Je ne sais pas, je peux mettre la lettre. J'ai un R et un I. I plus R fait I. Et A plus I fait I. Je suis très confuse. Maintenant, Sean Angora a deux indices. Mais on ne sait pas où le criminel, Monsieur Ha, est caché. Et on mélange les lettres pour écrire le message. Tout à coup, quelqu'un de très mystérieux rencontre Sean Angora et il tombe. Qu'est-ce qui s'y passe? Excuse-moi, monsieur, ce n'est pas poli. On doit faire attention quand on marche. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la lettre Z. C'est notre indice. Z-I-R-Z. Oh non, je suis très confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, salut. Je suis l'Italien de sa Didi. Ouf, Shangela, tu me déranges. C'est ça, Didi, il est à l'intérieur de sa Didi. Monsieur le sort de sa Didi, pêche-toi, je suis le détective Shangela. Didi, si je passe ça, Shangela, je vais mettre les menottes. C'est très facile, je suis une très bonne détective, n'est-ce pas? Est-ce que tu es au fait, Shangela? Moi aussi, je suis tout à fait de Shangela. Tiens, tu es gentil. Avant d'aller en prison, est-ce que tu peux avoir quelque chose à manger? Je ne sais pas. S'il te plaît, je vais en prison. Donne-moi un champ, s'il te plaît. D'accord. Oh, merci! Je veux du fromage, du pain et un peu de jus de raisin. Du pain et un peu de jus de lait. Voilà, je reviens dans quelques minutes. Reste ici, monsieur. Reste ici. Je ne peux pas rester ici. Je suis monsieur là. Elle est très intelligente. Au revoir, Shangela. Monsieur là, où es-tu? C'est impossible.
ici parce que tout le monde dit que tu as trouvé la commune à Monsieur Rat. Je suis désolée, il s'est échappé. Monsieur Rat, fais attention parce que Chandler, le meilleur détective du monde, te cherche toujours. Qu'est-ce que tu as? J'ai du fromage, du pain et un peu de jus de raisin. Est-ce que tu veux partager la moitié avec moi? Oh oui, j'aime le pique-nique et j'ai faim aussi. Au revoir tout le monde, ici Marie-Tremblay pour l'émission Les Nouvelles des Criminels.